Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes maintenant dans notre Ségoula pour la Parnassa. Il faut savoir que le Chodesh Elul, le mois de Elul, est une préparation de 3 mois qui sont une Ségoula pour la Parnassa tant attendue. Pourquoi? Parce que Tishrei, c'est Tav, Cheshvan Het, Kislev Kaf. Et on sait que Khatar, c'est un mot qui est en vérité un nom saint. Et ce nom saint, ça fait référence Khoter Chaim Lechol Chai, que Kadosh Baruch Hu donne de la vie et de quoi vivre à tout le monde. Et donc c'est pour ça que ces 3 mois, c'est des 3 mois pour lesquels, eh bien, il faut prier pour la Parnassa. Comme il disait Rava dans la Maserhet Berachot d'Af Lamed Aleph. Il dit là-bas, Rava, ne venez pas au cours, mes chers élèves, pendant le mois ni de Nissan ni le mois de Tishri, parce que c'est des mois de travail où vous devez travailler la terre. La Gemara, elle pose, le Tiferet Shlomo, il pose la question, il dit, comment travailler la terre, les élèves de Rava, ils étaient tous à la yeshiva, et en plus, eux, ils vont travailler la terre, quel rapport? Eh bien, le Tiferet Shlomo, il répond, il dit, on sait qu'on a un travail dans la Torah. C'est quoi le travail de la Torah? Et comme il dit aussi le Chazon Ish, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit la plus grande des Ishtadlout, c'est pas d'aller au travail, et là c'est de prier. Parce que des fois, il y a des gens qui vont au travail et qui ne gagnent pas de l'argent. Et là, forcément, que de la prière, c'est aussi considéré comme une avoda. Maintenant, pendant ces moments de Tishri, Cheshvan qui se lève, et surtout aussi le mois de Loul dans lequel nous nous trouvons, eh bien, c'est une ségoula justement pour demander la parnassa à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que il est marqué, et on n'arrête pas de dire, Verav, Chesed, Ve'emet, Notzer, Chesed, La, La, Fim, Nachot. On n'arrête pas de répéter ça pendant Elul, pendant les Slihot, que vous avez déjà commencé à dire. Eh bien, le mot Verav, Chesed, beaucoup de bonté. Eh bien, Rav Chesed, ce sont la valeur numérique de banim, c'est-à-dire d'avoir des enfants, pour celui qui n'a pas de garçon, qu'il est un garçon, et pour celui qui n'a pas d'enfant, fille ou garçon. Haïm, la vie, parce que c'est que bon avoir de l'argent, si c'est pour les avoir que dans un compte en banque, mais être sous terre. Et mezoné, c'est la nourriture. Donc, c'est 3 choses qui sont très importants. Verav Chesed, c'est-à-dire beaucoup de bonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la valeur numérique de enfant, vie et parnassa, et maisonné, la parnassa, la nourriture. C'est la raison pour laquelle donnez-vous, mes chers amis, préposons-nous à que pendant ces 3 mois, et surtout le mois de Elul, qui est la préparation de ces mois extraordinaires, pour avoir une parnassa avec facilité tout au long de la vie. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.